Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture un peu spéciale puisque je viens de recevoir un petit colis du sponsor ici, là, trademcard6107.fr qu'on retrouve ici. Je vais vous la faire comme ça. Alors, est-ce que je ne vais pas être embêté avec le flou? J'espère que vous allez bien. On va se déballer tout ça. Je vois qu'il y a des cartes. On va regarder. Je vais retirer les cartons. Les emballages cartons. Je vous montre le petit carton. Il est là. Il est ouvert. On va regarder cette machine. Je vois des choses sympas. Plein de petits trucs sympas. C'est parti. Alors, pour commencer, nous avons une petite display Lorcana. S'il vous plaît, bien, vous allez le voir. Voilà, petite display Lorcana, chapitre 3. Qui sera. Alors, tout ce que je vous montre, logiquement, sera ouvert sur la chaîne. Logiquement, tout sera ouvert sur la chaîne. Alors, j'avais quelques boosters aussi que j'avais commandé. Donc voilà. Alors, nous avons un petit héritage de la destruction. Là. Voilà. En blisté. Si vous cherchez du blisté, c'est une des rares boutiques qui le fait. Nous avons aussi en Yu-Gi-Oh! Un Rarity Collection 2. Ça, par contre, ça n'est pas ouvert. Ça va dans la collection. Idem pour Pokémon SV5 Force Temporelle. En blisté aussi, on le voit pas, mais il est en blisté. Hop, c'était peut-être pas une bonne idée, cette. Un peu flou. Mascarade crépusculaire SV6 est toujours en blisté. Ça part dans la collection aussi. Je connais un qui va être heureux. Nous avons. Oulala. Je vois plein de choses. Alors déjà, si vous allez. Si vous lisez les articles sur Trading Card Actu.blog, vous savez que Trading Card. Tout est. Je vous mettrai tout dans tout est dans la description hein, si vous voulez les liens et tout. Trading Card a passé un deal avec la licence Oververse qui est absolument un phénomène aux États-Unis. C'est sorti en 2021. Ça arrive enfin chez nous et voici les petits displays qui arrivent à la maison. Et Trading Card sera le seul à les vendre en France et en Europe. Donc si vous en voulez, n'hésitez pas à les commander sur la boutique. Sur la boutique, oui. Et vous avez 8% avec le code de la chaîne, le code du Ginato. Vous le savez, une deuxième display Oververse. Une troisième display Oververse. Parce que ça va être la folie. Je vous le dis tout de suite, il y a je vous tiendrai au courant sur le blog. Il y a la licence. Là, il y a la Display 2 qui sort début juillet. Avec l'arrivée des collectors qui vont être pas mal aussi parce que il y a des Godpiles dedans. Donc ça va être la folie. Oh, le petit bijou que je viens de sortir. On a un Memorial Collection One Piece. On a un magnifique display. Des pirates. Je vais faire un peu de place. On a une deuxième display. Ah, je me demande bien que c'est une deuxième, si vous avez l'air, le mytho. C'est une deuxième display. Memorial Collection, ça fait plaisir. Et là, on a plein de choses. Ah oui, j'avais ça aussi, c'est vrai. Du coup,
On a commandé des boosters Oververse. Alors, il y a plusieurs visuels. Il y en a deux. Ils sont magnifiques. Dès que j'approche, c'est pas ouf. Le truc disparaît, plus j'approche, plus ça disparaît. Voilà, le petit visuel. Et le deuxième visuel. Voilà. Bah, on va peut-être s'en ouvrir. Vas-y, on va s'en ouvrir. Et qu'est-ce qu'on a eu? Oh, ça, c'est un petit cadeau de mon ami Johan, que je remercierai jamais assez. Une boutique Trading Card qui me fait confiance. On a un petit deck box One Piece qui fait plaisir. Nous avons. Waouh, elles sont chouettes. Nous avons les. Il en a mis en plus dedans, c'est pas possible, il y en a une tonne. Nous avons du One Piece, il en a mis plus dedans parce que le truc il a explosé. Merci Johan. Et nous avons celle-ci, absolument magnifique. Je crois que c'est en vente encore sur la boutique, les produits One Piece. Tout ça, et je crois qu'il y a les tapis et tout. Enfin, il y a plein de trucs, parce qu'il y a plein de trucs One Piece qui sortent en même temps. Il y a d'autres choses aussi dont je veux vous parler, parce qu'on a l'arrivée aussi d'un... Alors, on a l'arrivée d'Oververse, hein. Alors, on va découvrir les cartes, d'ailleurs. Et il y a Ralz aussi, qui arrive sur la boutique. Ah, mais il y a un autre truc qu'on n'a pas vu. Ok, je ne l'avais pas vu non plus. Petite carte. Petite carte Pokémon. Il y en a plusieurs. On va les regarder ensemble. Alors, est-ce qu'on peut... C'était pas une bonne idée. Est-ce qu'on peut les voir? Nous avons... une carte japonaise Pokémon. Et il y a une carte One Piece, alors celle-là je vous l'ai montré. Et une carte One Piece. Ok. Merci mon Johan. Et comment je le fais du coup, parce que ça va pas être terrible si je vous le fais comme ça. On va voir. Je vais vous présenter d'une autre façon. J'arrive. Voilà. Je vais les ouvrir. Je vais ranger les cartes. Donc, je vous disais, l'arrivée de Oververse. Je sais pas si les displays sont déjà en vente. Sur la boutique, allez voir, et Rise, alors j'ai pas les dates, mais ils arrivent cette année, c'est sûr, là, ça devrait pas tarder, je dirais dans le mois d'août, je crois, ou un truc comme ça, et bien évidemment, vous serez informé sur la boutique. Alors, si on partait sur... Je vais garder... On va s'ouvrir ces deux-là. On va s'ouvrir les deux petits boosters. Allez, c'est parti. Alors, j'essaie de vous montrer ça. Ça va être cool dans les micros. Voyons voir comment s'ouvre ce TCG. Ah, ça s'ouvre pas mal. On va découvrir les cartes ensemble, je ne les connais pas. J'en ai vu quelques-unes. Évidemment, comme tout le monde sur les vidéos. Elle est très belle. Elle est vraiment très belle. Bon, je vois qu'on a un truc qui brille. On a celle-ci, très belle aussi. En doublon. Sister of Suffrages. Ok. On a Mikael, un Ready for 2. Très belle carte aussi. Elles sont très très sombres, les cartes. Ah, attendez, je vais pas nous spoil parce que je crois qu'elle est là, la carte SP. Spider Queen.
Spider Queen. Astrid, full power. Les cartes sont très sombres, très lugubres. Les guerriers, ils sont absolument magnifiques. Allez voir, j'ai fait un article avec les images. Waouh, on a une rareté. On a Dragon Queen, Hero of Oververse. Elle est absolument magnifique, la carte. Magnifique. Et celle-là, pour le coup. Alors, attendez, hop. Elle est brillante. Une foil est absolument fabuleuse. Je sais pas si je peux approcher. Voilà. Somptueuse. Franchement, très belle. Et deuxième booster. Pardon. Et on aura des collecteurs qui vont arriver. Que je vous dise pas de bêtises, début juillet, en même temps que les displays 2 qui sortent du set. Si vous voulez des displays, c'est le moment. Faut y aller. Alors, on a Leila. Elle est très très belle. Leila. Très très belle. On a Frost Archer. The Ice Knight en double. Je vous la montre directement. On l'a deux fois. Je sais pas pourquoi on les a deux fois. Ça fait. C'est pas un hasard parce que. Je veux pas me spoiler non plus. La prochaine. On a un Goat. Le Goat de Shendown. Et il est plutôt. Hop. Et. Attendez, je vais poser. Il est plutôt marrant. Ce bot. Ça va pas d'un jeu vidéo. Lilith, The Hell Queen. Très belle aussi. Très très belle. Les couleurs sont assez folles. Earth Queen, je sais plus si je vous l'ai montré. Très très belle aussi. Et. Notre foil Vados Hades. Elle est incroyable. Elle est juste incroyable, la carte. Hop là. Je sais pas si vous la voyez bien. Elle est magnifique. Eh ben, ça donne envie d'ouvrir des boosters. Hein, on va ouvrir les displays Oververse. Là, c'était juste un petit avant-goût pour vous faire découvrir un peu les cartes pour ceux qui ne connaissent pas encore Oververse. Mais on va s'ouvrir ça, comme vous avez pu le voir, il y a de la display, donc on va en ouvrir très prochainement. Logiquement, semaine prochaine, vous aurez des vidéos sur la chaîne. Il y aura certainement l'Orcana. On va s'ouvrir chapitre 3. Je pense qu'on va s'ouvrir du Oververse. Il y a d'autres choses qui arrivent aussi parce qu'il y a vraiment plein de nouveautés. Allez voir sur la boutique, n'hésitez pas à Trading Card, vous avez le sponsor ici. Et vous avez tous les liens dans la description, n'hésitez pas à y aller. Et voilà, vous allez pouvoir accéder à pas mal de trucs puisqu'on a de la nouveauté. Il y a des trucs vraiment sympas, il y a Ghibli. On a plein d'imports japonais, imports chinois qui viennent d'arriver, il y a du Pokémon, il y a du Dragon Ball, du One Piece, Wes Schwartz en Disney, il y a vraiment plein de trucs, il y a tous les articles qui sont à venir sur la boutique, n'hésitez pas à aller voir. Et puis bah, voilà, c'était une petite courte vidéo juste pour faire cette petite ouverture de carton, de colis, et on se retrouve très prochainement sur la chaîne. C'est aussi pour ça, j'ai oublié de vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos ces derniers temps, parce qu'il y a beaucoup de choses de prévues, notamment juin, juillet, et il y a beaucoup de préparatifs, et on est un peu happé par un autre jeu de cartes aussi, et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit peu moins de vidéos, mais vous inquiétez pas, ça va revenir à la norme. Très prochainement, et surtout on a beaucoup de choses à ouvrir, beaucoup il y a des commandes qui arrivent,
et ça pourrait être vraiment sympa parce que Ghibli, faut voir, parce que je sais pas si vous connaissez, c'est le Totoro, Voyage de Chihiro, toutes les cartes illustrées par Miyazaki, c'est absolument fabuleux. Allez voir sur la boutique, il y a tout, ou allez dans le lien, vous avez ou dans la description, vous avez tous les liens. Je vous dis à bientôt pour une prochaine ouverture. Des bisous. Ciao. Salut la famille, sortez couverts. Faites attention à vous. Ciao.